Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, mes citrons, moi je vais très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo, je pense, comme vous le constaterez, que c'est la vidéo pour les rares. Hein. La fille à chaque fois elle essaie de faire un suspense de malade en début de la vidéo, alors qu'en fait il y a tout marqué dans le titre, il y a tout marqué dans la miniature. Mais bon, au moment où je tourne la vidéo, la miniature elle est pas encore faite, la vidéo elle est pas encore postée, du coup ben voilà, je m'excite pour rien. Enfin bon, j'ai déjà, alors... Je vous avouerai que je me suis quand même un minimum renseignée sur les rares, histoire de vous sortir une vidéo quand même un minimum informative. Et là je constate que Lalo m'a déjà fait un look avec les objets rares. Donc là c'est la première fois que je me connecte depuis vraiment un petit moment. Ces derniers temps j'étais pas trop là, je vous expliquerai ça à un moment donné. Pour le moment je peux pas encore vous expliquer, mais il faudra que je vous explique tôt ou tard. Mais enfin bon, vous inquiétez pas, je reviens, y a pas de souci. Et bah du coup, bah déjà dans les rares, on a les oreilles, la robe et les chaussures. Je vous avouerai que je les avais déjà, parce qu'elles étaient déjà dans les rares de 2017, enfin vers la fin 2017, je sais plus quand exactement, il y avait des rares aussi. Et bien ils y étaient déjà, donc je les avais achetés déjà, donc ça j'avais déjà. Par contre la coupe, apparemment c'est une coupe qui était assez recherchée. Alors je pourrais pas vous dire, désolé, je suis un peu malade aussi, je renifle. Mais ouais, c'est la coupe australienne. Et bah, je vais vous la montrer directement dans le shopping. Ce sera peut-être, vous verrez mieux. Et ben bah, j'ai enlevé la roue. J'ai pas tourné les roues, mais... attendez, comment on fait pour aller tourner les roues quand t'as déjà... Parce que moi, chaque fois, je relance le game, je mets direct anti-bug, du coup, ça part. Mais vous avez remarqué que ça a changé de couleur. Alors, est-ce que c'est permanent ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que vous avez vu, de toute façon, je pense que je le mettrai sur la miniature pour que vous puissiez voir quand même. Mais vous voyez, ça a changé de couleur. Et bah écoutez, on va aller voir le shopping tout de suite. Je ne vais pas patienter plus longtemps. Alors, on va aller d'abord vérifier. On ira bien sûr vérifier les autres. Bon, je sais déjà où est-ce qu'ils sont. Mais voilà, je vais déjà vous montrer si ça va bien. Bonjour, c'est Quinzel. J'aimerais bien acheter des vêtements, s'il vous plaît. Je me fais refoule du magasin. Non, non, vous rentrerez pas, Quinzel. Bah attendez, je vais relancer ça tout de suite. Bon voilà, j'ai relancé, donc je vais laisser ça, vous voyez, c'est justement de ça que je parlais, des couleurs. Est-ce que ça va rester comme ça? Bon, ça me dérange pas, ça change un petit peu de laisser comme ça, c'est rigolo. Après, est-ce que c'était peut-être déjà comme ça dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, mais bon, je tournerai ça plus tard. Et on va essayer de retourner dans le shopping, ce serait sympa si ça pouvait fonctionner. Pour que je puisse vous montrer, donc bien sûr, moi j'achèterai les vêtements en dehors de la vidéo, mais j'ai déjà vous les montrer. Donc voilà, c'est bien cette coupe. Alors attendez, je vais enlever tout. Hop. Ouh, je pensais qu'il était à poil en dessous de la robe, mais non. Elle n'est point à poil. Et bah du coup, c'est la coupe, celle-ci, donc Australian Dress, je crois. Je vais vous dire comment elle s'appelle. Australian Dress. Et celle-ci, apparemment, c'est une coupe qui était vraiment très très recherchée à une époque, qui était. Pas mal recherché, ouais, c'est vraiment très rare. En tout cas, on peut faire de très belles couleurs avec. Genre un très joli roux. En tout cas, moi, je vais l'acheter à coup sûr. Et du coup, cette robe-là. Mais bon, après, c'est vrai que pour les gens qui ont suivi un peu l'affaire des rares, bah, normalement, vous auriez pu trouver une photo sur le net en montrant un petit peu tous les objets qui seraient de retour pour les rares, enfin, tous les objets, les vêtements. Et c'était la robe frite, celle-ci que vous m'aviez beaucoup dit. Vous m'aviez dit, regarde, Quinzel, va y avoir la robe frite. Et du coup, bah, maintenant, je comprends pourquoi elle s'appelle comme ça, parce que c'est vrai que sur l'image vue de loin, j'avais pas remarqué qu'en fait, c'était des frites. Mais vous faites gaffe parce que t'imagines, la fille elle a tellement faim, elle bouffe les frites et du coup bah après on voit ses nénés quoi, au final, faut pas bouffer les frites. Enfin bon, et celle-ci qui me plaît énormément aussi, cette robe là. Donc la robe là, dites-moi, mais moi j'ai entendu dire qu'apparemment ce serait une robe, alors je suis pas sûre hein, je vous le dis, mais je suis pas sûre, donc confirmez-moi, mais il me semble que c'est bien une robe qui faisait partie d'un pack à un moment donné. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais apparemment elle faisait partie d'un pack à une époque. Oh, regardez les couleurs comment elles changent. Mais genre tu sais, ça change les couleurs, mais genre délicatement, ça fait pas un rouge rouge quoi. Par exemple quand je vais dans le rouge, c'est stylé. C'est stylé, ça fait genre plus nuancé, une teinte nuancée que vraiment la couleur en soi. Mais en bleu c'est très très beau. Ici nous avons un sorte de body. Une robe qui coûte 6 diamants quand même. Ici c'est ça va où? Attendez. Ah, c'est sur les oreilles. C'est sur les oreilles, mais on ne voit pas très bien par exemple. Ouais, peut-être les prendre en noir, ce serait stylé, mais 2 diamants pour des étoiles, ça fait quand même un petit peu cher payé hein.
un petit peu cher payé pour des petites étoiles, à la limite un diamant ou encore un starcoin, ça me dérangerait pas. Alors ici nous avons une jupe, un pantacourt, un haut, donc là vous voyez c'est des rares. Voilà, donc je vous avouerai, à part, alors après si on fait un petit récapitulatif, le sort de kit léopard là, je connaissais déjà. Après tout le reste c'est la première fois que je vois moi personnellement. Mais sinon, voilà, ça c'est la première fois, ça j'ai déjà vu, ça je l'ai déjà, ça c'est la première fois, ça aussi, par contre la bohème, hein, c'est pas nouveau, la bohème elle était déjà revenue la dernière fois, donc au rare qu'il y avait la dernière fois, donc ça c'est un peu moins ouf de la remettre, parce que franchement, déjà qu'elle avait perdu pas mal de sa valeur de la dernière fois, mais remettre deux fois les mêmes rares d'affilée, on va dire c'est moyen. Moi personnellement j'aurais peut-être pas remis la bohème, mais bon ça on m'avait déjà prévenu avant même que les rares reviennent que la bohème serait de retour. Parce que c'est vrai que bon hein, on va pas se le cacher, si on remet tout le temps les mêmes rares, bah c'est même plus des rares quoi. Voilà. Hein. Un booster planète. Alors ça, ça je l'avais déjà reçu il me semble. Donc ça je l'avais déjà, mais c'est vrai que je les avais jamais vus en vente. Alors ça j'ai déjà vu des gens les porter. Après je ne sais pas si je les avais déjà vus ou pas. Je pense pas. Bon, ici. Donc celle-là je l'ai déjà. Je l'ai reçue, celle-ci aussi. Ça aussi je l'ai reçue. Ça aussi je l'ai déjà. Le pantalon. Oh, j'ai... Ah ! Oui ! Alors oui, l'histoire du pantalon qui brille. Alors vous rappelez-vous, la dernière fois pendant une soirée, il y avait eu un haut pour les garçons, je crois, ou pour les filles, je sais plus, qui brillait aussi comme ça. Et en fait, il avait disparu, il était resté quelques heures pendant la soirée et je l'avais raté. Je me suis dit, ouais, comme d'habitude, je vais l'acheter le lendemain, et le lendemain, il n'y était plus. En fait, là, je me suis dit, en voyant, je me suis dit, ouais, il ressemble vachement au haut qui brillait. Et du coup, là, ça brille aussi. Donc, c'est extrêmement rare, tout ce qui est les objets qui, à l'aide, entre guillemets, qui s'illuminent, c'est très, très rare. Donc, vraiment, prenez-le. Mais normalement, il y a un haut qui va avec. Brille aussi, je sais pas si c'était juste pour les garçons ou qui brille, mais du coup bon avec la technique on peut l'envoyer hein. Cette coupe là je l'ai déjà vue, mais par contre j'avais pas vu qu'il était en plusieurs couleurs. La robe là ça me parle, je crois que j'ai déjà vu. Le pantalon là je l'ai pas vu. Les lunettes là je les ai pas vues non plus. Donc bon, ça fait plaisir de voir des choses qu'on ne voyait pas. Alors quatrième page, des sortes de tongs, sorte de pantalon bouffi. Ah, par contre, la coupe là, c'est la première fois que je la vois, mais elle est... elle est dégueulasse. Cette coupe, c'est quoi si c'est dégueulasse? On dirait, c'est même ma serpillère. Elle a une meilleure gueule que ces cheveux-là. Ma serpillère, les gars. En tout cas, c'est pas forcément beau, les rares. Ça, on le savait déjà. Mais ça va, il y en a certains, ils sont sympas. Par exemple, ça, tu vois, à la limite, ça passe. Ça passe, c'est mignon, c'est cool. Cinquième page, alors nous avons le retour des trucs de lapin. On aurait peut-être pu éviter en avril, c'est déjà passé, c'était le mois dernier. Ils auraient peut-être pu mettre autre chose, sachant qu'on avait déjà des rares de Pâques. Quand je dis de Pâques, hein, c'est bien Pâques, la fête de Pâques, et pas le pack que vous achetez, hein. C'est difficile, hein. Pourquoi ils ont appelé les deux mots pareils? Alors là nous avons une jupe, donc attendez, parce qu'on la verra pas avec ça. Elle est rigolote. Alors il y a ça aussi, ça c'est sympa, j'aime bien. Ça va, bon. Là, bon, avec une autre couleur, ça pourrait passer. Parce qu'on a, si on enlève la coupe pour mieux voir, ça peut passer avec une autre couleur. Le haut là qui irait bien avec, attendez, le bas de la page précédente ou encore précédente ici. Ouais, ça le fait, ah ouais. Moi je trouve que ça le fait. Moi je trouve que ça le fait, en fait c'est fait exprès, ça devrait être ensemble, mais dommage qu'ils ne le mettent pas côte à côte, ce serait plus simple pour les gens, voilà. Enfin bon, un petit, je prendrais bien l'ensemble là, je changerais peut-être la couleur, mais je vais le prendre. Ah les chaussures là j'adore, ça manque un petit peu de trucs vraiment gothiques, mais genre vraiment, vraiment gothique quoi, pas forcément, puisque c'est noir c'est gothique, mais là... avec voilà toutes les attaches et tout, ça fait genre trop bien. Et du coup la dernière page, parce que oui je sais il y a 6 pages. Alors bon, le retour des tatous, on va être honnête, hein, je pense, moi j'en ai tellement des tatous comme ça. Mais en fait c'est surtout vous qui me les avez beaucoup envoyés. Donc des tatous comme ça j'en ai vraiment beaucoup. Après j'ai forcément un petit peu plus celui-ci, le dragon, le serpent. Enfin le dragon, le serpent, ouais, c'est plutôt un serpent je dirais, avec une tête de dragon limite. Et
le tatou juste là. Donc celui-là, vous me l'avez envoyé pas mal aussi, même si je l'ai quand même beaucoup moins que le serpent. Ensuite, ça, c'est sur le visage, je suppose. Oui, c'est sur le visage. Ah, vous savez, hein, j'ai horreur des choses avec des trucs noirs sur le visage. Moi, j'ai envie de me gratter, en fait. J'ai envie de me gratter, j'ai l'impression qu'elle a des cratères sur le visage. Bon, ça fait déjà un peu moins stressant que vraiment les trous là dans le visage. Parce que là, c'est des étoiles, ça se voit quand même que c'est des étoiles. Peut-être que si je change la couleur, ça me choquerait moins. Peut-être les mettre en doré, tiens. Ah bah tiens, en doré, ce serait genre trop bien. Et merci à Laura Snow, merci beaucoup, je te fais un très très gros bisou, Laura qui porte aussi cette coupe. En même temps, cette coupe elle est trop belle. Je parie que tout le monde, pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, vont mettre cette coupe là. Franchement, elle est magnifique. Franchement, c'était... Alors, j'ai pas fait attention si elle était VIP ou pas par contre, mais elle est super belle cette coupe. En tout cas, merci beaucoup à toi Laura Snow, je te fais un très très gros bisou. Merci beaucoup. En plus, le que fais-tu de la dernière fois est toujours d'actualité. Merci pour vos saluts, vous passerez dans la vidéo. Merci beaucoup. Et ça m'étonne déjà que je ne like pas déjà. Alors attention, ça. Alors on est d'accord, il y a marqué drip drip. Alors j'ai reçu, je demanderai si je pourrais utiliser sa photo, mais j'ai une abonnée qui m'a envoyé un screen du staff qui a répondu et qui a dit qu'effectivement ce collier n'est pas un collier de la collection Drip, il a juste été utilisé, enfin les modérateurs se sont inspirés de ce collier pour faire la collection Drip, mais le collier là n'en fait pas partie de cette collection, voilà, donc c'est d'où le nom Drip, ils se sont inspirés, mais... Ça n'en fait pas partie. En même temps, c'est un petit peu évident vu le prix. Ce serait pas logique. Et merci encore à Laura Snow. Merci beaucoup. Je te refais un très très gros bisou. Merci énormément pour ta salutation. C'est super gentil. Merci. Merci encore. Ah, elle a changé de haut entre temps. Elle a changé de haut. Mais attendez, j'ai envie de tester ça, mais en mode doré. Genre un doré comme ça. Ouais, je sais pas, ça fait pas chelou, genre. Ouais, là, ça fait doré. Ouais, bof, je suis pas douée, hein, mais bref. Ouais, c'est chelou. Faudrait tester, je testerai ça. Ah merci encore, Laura Snow, c'est trop gentil. Merci beaucoup, je te fais un très, très gros bisou, merci. Merci encore. Ah, bah, elle a la fleur, pareil. La fleur, vous me l'avez envoyé de temps en temps et elle fait partie cette semaine dans les rares. Donc merci beaucoup Laura Snow encore une fois, merci, c'est trop gentil. Et là, on a Lola, donc pareil, je ne l'ai pas vu celui-là. Nous avons Lola et Lola, donc bah écoutez, c'est sympathique, là, voyez tout ce qu'il y a eu. Vraiment, voilà, la robe là, elle est jolie. Alors, bon, le plus gros, on l'a fait. Je suis désolée, la vidéo est assez longue, mais je vais essayer de me dépêcher. Au niveau des pet-pets, il y a un nouveau pet-pet dans les boonies. Il y en a même deux. Donc il y a celui-ci. Donc apparemment c'était un pet-pet de l'ancien Movie Star Planet. Apparemment ce serait un très vieux. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et aussi apparemment il y a la goutte. Par contre la goutte je sais pas trop d'où elle sort. Est-ce qu'elle a été... Je sais pas. Ça par contre pour la goutte faudra me dire. Voilà. Ensuite il y a aussi... désolé, ça ramouille un petit peu. On va prendre le cadeau en chemin. Et dans le shopping, nous avons des animations également. Alors les animations, il y a bah, du coup celle-ci où on signe un autographe. Donc franchement, elle est sympa, mais je la trouve quand même un petit peu chère. 6 diamants pour aller signer un auto, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Un tout petit peu exagéré. Alors désolé, ça la gouille. On a du mal. Mais alors... Voilà, comme ça vous voyez, elle vient, bon désolé, hein, ça lag, mais normalement c'est beaucoup plus fluide. Voilà, ou elle signe un auto, donc, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y a que ça, et bah forcément au niveau des décors, bah, vous avez le décor de fond, hein, qui est, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce décor-là, il est simple, mais il est cool. Ah bah tiens, on va l'acheter en même temps. Et je pense qu'au niveau du shopping, bon forcément il y a des objets. C'est vrai que les objets, je vous les présente... très peu. Alors dans la clinique beauté, je n'y vais pas parce qu'apparemment il n'y a rien au niveau de nouveautés de la clinique beauté. C'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre un truc. Et là, bah apparemment il y a des petits trucs qui sont revenus. Alors les objets, je me suis un petit peu moins informée sur le sujet. On va dire qu'au niveau des objets, c'est pas trop ma cam. Donc j'irai pas plus loin sur le sujet. Là, si vous voyez des trucs,
Dites-le moi. Moi, personnellement, je n'en vois pas parce que je ne m'y connais pas du tout, encore moins en objet. Donc, j'ai pas envie de vous induire en erreur ou quoi. Donc, à ce niveau-là, je ne dirais pas grand-chose. Je ne sais même pas où ça s'arrête, les nouveaux trucs ou pas. Donc là, je pense que ça s'arrête là parce que là, c'est l'ancien thème. Donc, ouais, apparemment, ouais, ça doit tout ça. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est des trucs de Pâques. Et Pâques, c'était le mois dernier. On est on est vendredi 18 mai. Et c'est plus avril, quoi. C'est plus avril, donc... C'est dommage qu'ils n'ont pas mis autre chose ou ils auraient pu mettre ces trucs-là en avril, quoi. Ça aurait été un petit peu plus logique. Mais écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, ma petite réaction au rare, voilà. Et ils disent ultra rare. Honnêtement, franchement, c'était pas. Je m'attendais à un truc un peu plus gros que ça parce que bon, ils ont mis paquet sur le mot ultra. Donc voilà. Mais bon. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Et juste avant, on va remercier Anaïs Plubel. Donc je suppose Anaïs Plubel d'MSP. Ou de quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à toi Anaïs ma belle. Je te fais un très très gros bisou également. Merci pour la salutation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.